Salut les gens, c'est Jimmy du parti des potes partis, vous savez, le parti qui a les partis de ne pas faire partie d'un parti, qui permet à tout le monde qui en fait partie de conserver l'intégrité de ses partis. Alors aujourd'hui, une vidéo assez particulière, puisque je ne vais pas vous parler ni de l'actualité, ni de la politique, ni de vous d'ailleurs. Non, non, aujourd'hui je vais vous parler que de moi. Voilà, donc c'est une vidéo où j'ai l'intention de me répandre. Puisque il semblerait que les simagrées que je fais sur Facebook depuis maintenant 2 piges, il y a quand même pas mal de gens à qui ça parle, hein. Et puis il était peut-être temps, effectivement, peut-être d'inscrire ça sur un bout de papier, de tailler un peu dans le vif, bref, de mettre sur un support quelconque le logo du parti des potes partis, hein. Alors, évidemment, certains d'entre vous vont dire, ouais, il est encore en train de jouer au mytho, il est encore en train de ramener sa gueule et compagnie. Et ils auront raison, hein, parce que je vous rappelle quand même le postulat de départ de tout ce bordel, c'est que moi, j'ai pas demandé à être là, hein. Moi, j'ai tourné ma caméra dans ma bagnole parce que j'étais en pétard il y a 2 ans. Et puis, depuis, ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle. Donc, ça prouve 2 choses. La première, c'est que je dois pas raconter que des conneries, à mon humble avis. Et puis, la deuxième, c'est qu'il y a quand même pas mal de gens à qui ça parle, hein. Alors, il y en a à qui ça parle et ça va jusqu'à un tel point, c'est qu'aujourd'hui, vous voyez, le parti n'est pas de parti, là, ça banderole. Voilà. Donc ça veut dire que la prochaine fois que je vais aller faire le malin dans une manifestation, ce genre de truc, eh ben ce bordel de merde, là, je vais l'enlever. Vous voyez? Je sais pas si j'emmènerai mon mug, parce que bon, j'y tiens, il est magnifique et compagnie, mais je vais l'emmener en tout cas. Puis j'aurai ce petit t-shirt aussi, le parti des potes partis. Alors, je sais très bien qu'il y en a parmi vous qui vont commencer à dire, ouais, il va nous vendre des conneries et tout. Oui, à un moment donné, je vais les vendre, évidemment, pas plus con qu'un autre. Hein. Si t'étais à ma place, du coup, tu ferais exactement la même chose. Hein. Donc j'ai replacé un petit du con au passage, puisque de toute façon, Jimmy ne fait qu'insulter les gens, patati patata. Mais je l'ai déjà dit en live, quand je fais du zut flûte, ça perlipopette, tout le monde s'en branle ce que je raconte. Alors aujourd'hui, je vais faire un petit live de remerciement, parce que il y a des gens autour de moi qui se sortent activement les doigts du cul pour essayer de faire bouger les choses, pour essayer de vous réveiller, pour essayer d'allumer la lumière. Pour dire, tiens, on va donner notre point de vue aux gens, on va leur dire que ça va pas, et on va pas leur dire de venir s'inscrire à un truc, payer quelque chose. Non, 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 simplement d'essayer de penser un tout petit peu par eux-mêmes. Alors, j'ai une pensée pour mon ami Benoît, hein, qui est au fin fond du cul du Médoc, hein, que j'embrasse, qui s'astique autant qu'il peut pour son clavier, sur son clavier pour faire avancer le truc mûche. Un gros bisou à Double B. Double B, mon ami, qui a fait ce petit rap, hein, qui s'appelle Ensemble. Je remettrai le lien dans la description de la vidéo. Une petite pensée pour Thierry Paul Valet, pour Franck Randa, pour mon ami Bacta, François Galvert. Hein, on a tous des fois des coups de mou. J'en ai moi aussi. Franck aussi, Thierry aussi. Parce que des fois, on est un peu épuisé d'en prendre plein la gueule. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on s'expose, nous. Hein, on met notre gueule devant la caméra, on balance des trucs, on traite les gens d'abrutis, on prend des pages longues comme ça, qu'on est raciste, qu'on est fasciste, enfin c'est tout le temps jamais bien, je vais pouvoir faire tout le couplet. Mais en attendant, on est là, puis je voudrais remercier mon ami Vulfran, donc, qui est là, que j'accueille aujourd'hui chez moi. Vulfran, bonjour. Bonjour. Je suis ravi de t'accueillir au quartier général du parti des potes partis, qui n'en est pas un. Donc Vulfran, qui est un ami de la VAP à la base, puis qui est devenu un ami de Facebook, puis qui est devenu un ami tout court, hein, et qui est à l'origine de tout ce bordel, hein, qui n'était pas du tout prévu au programme, hein, donc il faudra envoyer du pognon pour le payer. Hein. Non, je déconne, on va pas vous demander des ronds, en tout cas pas tout de suite, ou alors pas comme ça. Non mais voilà, tout ça pour dire, je suis ravi de ta présence, je suis ravi de ce genre d'initiative, je sais qu'il y en a d'autres. C'est pas tellement l'objet du parti, puisque le but du jeu, c'est que moi, je veux pas de groupe, moi, je veux pas de sectarisme, moi, je veux qu'on soit tous citoyens. Alors, une fois, j'ai fait une vidéo en gueulant, ce serait bien qu'on ait une seule banderole et qu'on soit tous derrière. Mais voilà, pourquoi pas celle-là, hein? Voilà. Après, voilà, je veux pas être un leader, je veux pas être un leader politique, je veux pas toutes ces choses-là. Moi, ce que je veux, c'est que vous, à un moment donné, vous ayez suffisamment l'esprit ouvert pour vous dire « j'ai les moyens de faire en sorte que ça change et je peux le faire ». Alors, oui, on réfléchit à des actions, on cherche, à un moment donné, on va bien finir par trouver. Je suis ouvert à toutes les propositions, hein. Je reste simplement quelqu'un qui donne son point de vue. Voilà, donc je rappelle au passage que ma page, c'est pas un forum, c'est pas une démocratie ou ce genre de truc. Si vous n'êtes pas passionné par ce que je dis, mon vieux, cassez-vous. La porte, elle est grande ouverte. Et puis, si un jour on n'est plus que deux, on sera plus que deux. Mais au moins, on aura essayé. On aura essayé. On aura essayé de mettre en place, je vous dis, quelques actions. Alors, j'en sais rien. Peut-être ce sera une manif, peut-être ce sera un rassemblement, peut-être ce sera couper votre télé, peut-être ce sera un carré rouge à la fenêtre, peut-être ce sera un t-shirt comme ça. Facile à faire, ça. Vous imprimez ça, papier transfert, mettez ça sur un t-shirt, c'est réglant de couler gros. Enfin, il y a 50 méthodes. Aujourd'hui, j'ai pas les réponses à tout. Les gens qui sont avec moi n'ont pas toutes les réponses non plus. Non, mais on essaye.
On essaye, j'essaye de répondre à tous les messages qu'on m'envoie, c'est pas facile des fois parce que mon Messenger il dégueule, mon Skype il dégueule, tous les moyens de communication dégueulent, donc de temps en temps je me mets un petit peu off aussi parce que sinon j'ai la caboche comme ça. Mais voilà, tout va très mal, on est tous d'accord pour le dire, oui. Macron est une ordure, on est tous d'accord pour le dire parce que la finalité c'est ça, ne l'oubliez jamais. Tous les trous de cul qui n'ont toujours pas compris que je suis ni raciste, ni facho, ni à droite, ni à gauche, ni au milieu, ni au centre, en haut, ni au-dessus, ni en bas. C'est simplement, j'essaie de dire aux gens, voilà, on a un gouvernement en place aujourd'hui qui se fout de votre gueule à longueur de journée, qui va dépenser de l'oseille à tort et à travers et qui vous demande au passage de vous serrer la ceinture. Donc vous faites bien comme vous voulez. Simplement, moi j'essaie d'appuyer sur le bouton pour dire, oh les gars, regardez un peu ce qui se passe en haut. Arrêtez de vous mettre sur la gueule entre vous. Essayez de revenir à l'essentiel en disant, l'ennemi, c'est celui qui est au-dessus. Puis quand il aura dégagé, il sera toujours grand temps de réécrire une constitution, de refondre un truc, de refaire un truc. En 1789, les mecs, ils ont cherché un peu, ils ont fini par prouver. Donc, attendons peut-être pas la famine, la guerre civile ou ce genre de truc pour faire quelque chose. La sécu nous la casse. La sécu nous la casse, voilà. Je pense que je ferai des lives là-dessus la semaine prochaine. Mais aujourd'hui, c'est week-end. C'est week-end, tranquille. Dans 5 minutes, c'est apéro. Derrière, c'est barbecue. Donc, faites la même chose. Éteignez votre téléphone, essayez de passer du temps entre vous, hein, faites des trucs, buvez des canons, mangez un morceau, et puis essayez un tout petit peu de vous aimer les uns les autres, vous allez voir, ça change la vie. Hein. C'est surtout ça. Ça change la vie. Vu le fond, le mot de la fin. L'union. L'union. Ouais, merci Jimmy, merci à ce qu'il fait. Oui, oui, moi, merci, t'es suivi, et on continue, on est derrière toi, et c'est vrai qu'on a besoin des mecs comme Jimmy, et seulement faut suivre derrière, voilà. Mais cela dit, ils sont toujours derrière moi, il n'y a jamais un qui se met devant. La preuve, maintenant, je suis devant. Lui, c'est lui devant une fois. Allez, à ciao à tous et bon week-end. Salut, salut.